Eh bien, bonjour. 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 Il faudrait qu'on trouve June. Alors, Neutron, est-ce que tant que tu es là, je te donnerai pas le stuff que j'ai looté sur Frigiel? Bah, vas-y, je vais bien. Voilà, parce que du coup, ça vous servira plus. Attends, redonne-moi la charpe 2, je te donne la charpe 2 looting, du coup. Putain, mais leur salle des coffres, j'ai voilà, je te donne ça, c'est à peu près tout, tout ce qu'ils avaient. Hop. Ok. Oh, il était foutu, hein. Voilà, c'est ça, je récupère. Et il y a 3 TNT aussi. Moi, je reste en haut, de toute façon, je peux pas descendre, parce que comme ah je oui, sais... Ah oui, j'avoue, mais oui, mais bien sûr, mais je suis bête, j'avais pas réalisé pourquoi tu pouvais pas nous aider, mais bien sûr. Bah oui, je ne peux pas descendre. Mais je fais la défense en haut, donc Frigiel est mort, June, je sais pas où elle... Ah, il faut que je rate si les June ne remontent pas par le petit chemin, tu sais qu'ils ont creusé. Bah, je pense qu'elle s'est barrée, mais vraiment, j'aurais dû lui sauter dessus tout à l'heure, mais je sais pas, j'ai pas... J'étais en mode attention, c'est pas par contre, où sont les deux autres? Bah, Frigiel est revenu, ouais, Frigiel est revenu pour le coup. Peut-être essayer de récupérer son stuff. Essaye de lui mettre une flèche. J'essaye. Ah, ça c'est moi. C'est pas grave, ça m'a boost. Ça m'a boost. C'est qui sort là? C'est... Ok, c'est toi, Neutron. Allez, Frigiel. Ils sont où aussi, Voyage et... Ok. Bah, je sais. Frigiel ouais, est... Oh, là, il y a du stuff, là. Frigiel est mort. Frigiel est mort. J'ai perdu du stuff. Peut-être qu'il a éloigné pour que June... Hop. Il est toujours au niveau de son lit. Non mais vraiment la pire salle des coffres, hein. Je comprends pas où elle est. Hein. Je comprends il vous reste 4 minutes de mes services. Ouais, en vrai je désespère, alors ça fait 3 assauts et on trouve toujours pas. Je désespère. J'aimerais vraiment vous aider, mais en vrai même pour l'ayant vu, je saurais pas comment y aller, mais... Mais non, je sais bien. Écoute, je mets des TNT, j'en ai marre. Ouais, mais bon, je mets des TNT, je sais pas à quels endroits je mets des TNT en fait. Je sais pas, je pense que là t'es trop bas peut-être. Bah, je suis pas sûr, moi je les avais vus à un moment donné. 3 ouais. minutes 13, messieurs. Ouais. Je remonte. Là, je suis dans ton endroit, tu te rappelles où hier tu m'avais dit que apparemment Brie aimait bien faire des jumps spéciales. Ouais. Okay, pour l'instant, en tout cas, personne à l'extérieur. Hein. Là, ils pourront pas revenir. J'ai pas de briquet, moi, donc je peux pas faire peut-être. Si, ton arclame. Bah, en fait, mon arc, je l'ai pas sur moi, apparemment. Ah bon? Ça l'avoir récup, mais pas du tout. Ah, attends, c'est où que tu veux faire péter? Il vous reste 2 minutes 30, les amis. Pardon. Très bien. Ah ouais, vraiment, ça m'étonnerait fort que ce soit là, mais tu veux faire péter ça ou là? Je sais pas, parce que ici, ça redescend. C'est terrible. Bah, écoute, je descends, je vais voir, hein, j'ai pas le choix, mais. Ah, je crois que je suis dans leur grotte. Ouais, je peux pas remonter, il y a un piège, il faut que je mette une. Il y a encore Frigiel qui revient. Okay. Ouais. Bon, du moment qu'il revient, c'est bon, parce que du coup, on sait qu'il nous assaut pas. C'est ça. Oh, c'est quoi qui... Ah, c'est vous qui faites péter? C'est quoi moi qui fait péter. Ouais. 2 minutes, messieurs. 2 minutes. Très bien. Non, mais cette grotte, vraiment. Moi, j'abandonne hein, chez eux, je comprends pas. Je comprends pas. Ça fait 3 assauts. Normalement, on aurait dû gagner depuis longtemps, tu vois, mais eux, je. Je comprends pas. Ah mais c'est un délire. C'est un délire leur salle des coffres, vraiment je pense. Ah y'a Frigiel qui est rentré. Je pense que je suis pas prêt de le trouver, déjà je vais me perds dans ma propre base. Alors. Attention Neutron, y'a Frigiel qui est là. Non mais il est pas stuff hein. Il a une épée en pierre. Hop. Ouais je vois là. Il s'amuse quoi. Pierre sale. Ah ouais. C'est toi? Ouais c'est toi. J'ai un truc là mais bon. Attention, y'a une tête qui va péter. Voilà. Bon c'est bon, je crois que j'ai rempli mon contrat. J'ai tué 3 fois Frigiel. Très bien, mais écoute, merci, moi je n'ai plus de TNT, Neutron, again. On peut plus remonter, on est piégé. Neutron. Ah oui voilà. Remonte, si t'as des TNT, j'ai besoin de toi. Non, attends, je peux passer par là. Non, je peux pas, faut que tu poses une TNT là, mais qu'on l'active pas, faut juste... Non. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Surtout pas, malheureux. Là, sous tes pieds, pose-la. Voilà, yep. Et l'active pas, et juste on s'en sert comme escalier pour remonter. Ah, okay. Bah faites-la péter maintenant, hein, alors qu'elle est posée. Bah ouais, mais on a plus accès ensuite. Je veux bien la faire péter, mais on a plus accès à leur base. Ouais, je sais pas. Hein. Ouais. Non, mais en vrai, tant leur salle des coffres, c'est dans leur arbre, putain. Non. Il y a Brie là-haut. Attends. Voilà. Bon, messieurs, bah, 30 secondes de mes services encore. Bah, j'espère que je vous ai été utile. Et, tu nous as été très utile, écoute. Je vous laisserai le stuff dans votre base, bien sûr. Et voilà, à une prochaine peut-être. Okay. Normalement, vous n'avez pas le droit d'utiliser 2 fois de suite le mercenaire s'il revient. D'accord. Donc il faudra laisser la chance aux autres équipes. Voilà. Okay. Au revoir. Au revoir.
Voilà, donc nous avons quitté cette équipe. C'était cool parce que du coup, on a fait des petits kills sur Frigiel. On s'est un peu amusé, nous, un peu aussi. Mais voilà, ça change le petit concept du mercenaire. J'aime bien. Au lieu d'être. Pour l'instant, il y aura plus tard. Plus tard, dès qu'une base aura perdu, je prendrai la place et tout. Il faudra qu'ils viennent m'assaut. Pour une récompense intéressante, bien sûr. Ils seront 3 contre 3 quand une équipe aura enfin perdu. Mais pour le coup, c'est vrai que cette salle des coffres, mesdames et messieurs, c'est un sacré délire. Elle est où? Elle est toujours là. Hein. Tiens le coup. Hein. Ils ont fait péter partout, sauf là où il fallait, quoi. C'est dingue, c'est fou. Alors apparemment ils partent parce qu'ils en ont marre de cette salle. Je les comprends, elle est relou leur salle. Même eux ne savent pas où c'est. Même eux ne savent pas où c'est pour y retourner. Donc c'est vraiment infâme hein, comme salle des coffres. Donc je dois aller redéposer le stuff dans leur base, bien sûr. Donc je vais me mettre hop comme ceci en invisible. Il faut juste que je retrouve la base des violets pour leur redéposer. Voilà. Le stuff, juste ici. Donc ça, c'est du stuff, ils s'en foutent, hein, très clairement, je pense. Voilà, je vais remettre à l'intérieur donc toutes les pièces d'armure que j'ai pu choper en faisant des kills, bien sûr. Non, ça, c'est le paiement. Ça, par contre, ça va finir à la poubelle pour le coup. Hop. Voilà, ça. Un petit peu de bouffe que j'avais looté. Et dans la logique, ça. Voilà, ça, c'est à peu près leur... L'heure due, moi je vais m'écarter un petit peu. Je vais me mettre juste là pour le coup. Je vais me mettre juste là et je vais tac, clear mon inventaire. Ok, c'est bon pour cette équipe, donc c'était bien cool. Maintenant, il va falloir penser un petit peu. Bah là, on va être un peu retourné dans une phase un peu commentary, voir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer pour le coup. J'aimerais bien qu'il y ait un assaut qui se concrétise. Hein. La team violette ne s'est pas encore fait assaut. C'est compliqué. On va aller parler un peu au team. Je vais aller voir un petit peu Super Brioche et Picture. Bonjour, c'est l'équipe toi qui verte. Casse, hein. Ah, bonjour. Alors, ça tient le coup, hein, cette salle des coffres incroyable, n'est-ce pas? Incroyable, je ne comprends pas. Il n'y a même pas de porte. Il n'y a même pas de porte. Ah, parce que toi, tu l'as vu, non? Bah, moi, je l'ai vu, bien sûr, je vois tout. Ouais, donc, on est bien d'accord qu'elle est complètement legit. Elle est complètement legit. Alors, je vais juste vérifier le nombre de blocs. On est à combien? C'est 20 maximum. 85, et la salle des coffres est à 67. Donc, ouais. Ouais, vous êtes full legit, allez bien dans toute votre base. Non, mais en fait, même c'est on juste... n'arrivait pas à la trouver. Non, mais de toute façon, Stefano, par exemple, son problème, c'est qu'il aime pas chercher des trucs comme ça, dès que c'est trop, ça l'énerve un peu. Genre, par exemple, tout à l'heure, sur la chasse au trésor, voilà, c'était un peu compliqué. Ah, apparemment, il m'appelle, je vais voir. Pas de soucis. Okay. Le stuff est rendu dans la base, monsieur Stefano. Ah, d'accord, ok. Voilà. Il y a un coffre qui vous attend, comme prévu. Ah pardon, désolé. Tu n'as pas vu Neutron? Non, je ne l'ai pas vu, je suis parti direct dans le... Ah bah voilà, bah donc vous avez les stuffs que vous m'avez donné, plus les stuffs que j'ai lootés. Voilà. Merci. Adieu. Adieu. Ah là là, qu'est râleur, dis donc, c'est pas possible. Non mais pour le coup, ouais, elle tient bien leur salle des coffres, c'est impressionnant, hein. C'est la plus simple du monde, pour le coup, voilà, on refera peut-être un coup de mercenaire au prochain épisode, pas maintenant parce que ce serait trop rapproché, et ouais, c'est pas mal, j'aime bien le principe du mercenaire. Là pour le coup, le seul truc qu'on pourrait faire, c'est peut-être redonner des TNT pour relancer potentiellement un assaut à tout le monde, genre tout le monde gagne 5 TNT, et comme ça tout le monde pourrait réessayer d'assaut, ou équilibrer par exemple, bah, Frigiel a encore perdu un peu de stuff, on leur redonne légèrement des diamants, parce que sinon leur game est niqué. Chez Super Brioche et tout, la salle des coffres est toujours introuvable, donc on peut leur remettre peut-être plus un petit peu de défense. Je vais faire un petit message. Alors... Du coup, je vais préparer des cadeaux un petit peu. Donc, eux, ils ont besoin que de TNT pour pouvoir re-assaut. Donc, on va en donner 5 ici pour... Merde, je les ai jetés. Juste 5 ici pour le coup. Donc, on va faire ça. On va prendre la stone brick. Voilà, tout le monde aura un petit peu. Donc, je vais mettre le message. Le dieu aime beaucoup le spectacle de votre bataille. Des cadeaux vous attendent devant vos bases. Ah, je vais le faire en deux fois. Ok, donc ici, on va mettre directement... Hop. De quoi re-assaut pour eux. Donc 5 TNT, on va écouter ce qu'ils disent. Non, mais on est là, hein. Imagine, c'est TNT. Voilà. Ah, yep. C'est ça, on va aller voir Frigiel et June directement. On va se mettre...
faut juste que je me change le game mode. Voilà, juste là. On va leur redonner un petit peu de stuff parce que c'est ça qu'ils ont besoin avec... on va leur donner un plastron diam chacun et deux TNT. Voilà, ça me semble intéressant. Voilà, elle a l'air d'avoir vu. Tac. Piquer le cadeau des autres équipes n'est pas autorisé par contre. Ah bon ? J'aurais dû le mettre dedans. Oh, mais bon, là je pour ramène, le coup. Voilà, merci beaucoup. Dans les autres saisons, on pouvait. Non, là pour le coup, c'était vraiment des petits cadeaux faits pour les équipes. Oh. Vous en avez un qui vous attend devant chez vous. Voilà. Oh non, c'est une blague. Problème vite, réglé. Remonte. Alex, remonte. Allô. Bonjour. Mais non, mais j'ai fait un trou dans la muraille pour rentrer. Il m'a suivi. Il est rentré dans le trou. Ah il est en train de rentrer. Il peut pas rentrer. Il est bloqué. Hein. Il est bloqué. Voilà. Bah oui, mais bon, déjà, il prend notre coffre alors que... Enfin, bref. T'as paniqué. Alors voilà, du coup, non, pour le coup, paniqué, il n'a pas le droit de piquer votre cadeau. Le cadeau ouais, vous attend. Un peu... Voilà, c'est ça. Je me dis que c'est un truc pour équilibrer et que genre, ça voilà, me c'est un peu ça. Cité, mais... Voilà, pas de problème, okay. c'est réglé, votre cadeau vous attend. Au revoir. Oui, bah en attendant, mon stuff, il est... Du coup... C'est la merde. Alors là, pour le coup, j'ai... Non, quand même, faut pas abuser. Je vais mettre ici pour... Alors attendez, hop, faut juste que... Si on perd tout, bonjour. On revient ici. Alors, du coup, je vous apporte votre cadeau. Alors, je pense que vous n'avez pas besoin de stuff. Vous avez besoin de TNT, vous, ou pas? Parce que je voulais savoir... On en a 21 des TNT. Ah, donc ça va. Ça, vous avez... Les niveaux qui nous manquent. Ah bah alors, un petit don de niveau, voilà. Voilà, chacun un petit peu un truc personnalisé, ça me va. Je cherche juste où c'est là, voilà. Est-ce que t'as un briquet? J'en ai un pour moi. Vous avez récupéré des niveaux, là? Ouais, un petit peu, j'en ai un petit peu. Combien? J'en ai 8. Et picture? J'étais à 0, quoi. Oh, merci, 4. Allez, encore un petit peu. Soyez à 8. Allez, parce que je suis gentil et que, voilà, vous faites une belle défense. Au revoir. Ah. Voilà, donc maintenant on a remis un petit peu du piment dans la partie. Dommage. Alors je vais retourner voir un petit peu ce qui se passe chez Sifano, qui a toujours du coup un trou ici. Ça a l'air de se passer. Je sais pas si le stuff a été récupéré à l'intérieur de ce coffre. On va vérifier ça. Le stuff n'a pas été récupéré. Donc je vais mettre juste ici. On va récupérer le contenu de ce coffre. Et je vais leur mettre ici. Voilà, je leur ai remis ce qu'ils avaient besoin. Donc Sif est en train de regarder par là. Il va peut-être assaut pour le coup. Voilà, on a rééquilibré un petit peu tout ça. C'est des récompenses qui ne sont pas non plus oufissimes en termes de changement de la game. Une équipe qui peut faire des assauts, on continuera les assauts. Une équipe qui avait besoin de niveau aura gagné un petit peu de niveau parce qu'ils avaient du stuff, ils avaient rempli leur muraille, ils avaient tout. Donc au final, l'équipe à survivre chez Picture, ils ont 21 TNT. C'est énorme, c'est énorme. Ok, donc là pour le coup, voilà, ils ont pu refermer, pas de soucis, ils vont s'attendre à un assaut je pense. Mais j'aimerais bien voir ce que va faire l'équipe de Picture et Super Brioche. On va les écouter. Attends, un petit peu. Déjà je fais voir ça. Un petit peu ce qu'ils font. Ils ont l'air de rester là et de s'enchanter et de se préparer. Ils ont Est-ce l'air que t'as toujours le livre Flame? Non. Ils prennent des potions et tout, donc ils ont l'air de se préparer à peut-être assaut. Donc ça peut être intéressant que les trois équipes, imaginez qu'ils attaquent tous une base adverse. Et que personne ne soit dans sa base pendant les assauts. Mais eux, leur base, elle tient. Leur base, elle tient. Je ne sais pas si ça a été rebouché pour le coup. Mais ouais. Là, ouais c'est refermé. Ça tient le coup. C'est intéressant. Vraiment, ce qui est en train de se passer est encore très intéressant. On est au 15e épisode. Imaginez qu'une équipe n'a toujours pas perdu. C'est fou, ça. C'est si rare. C'est si rare. Bon, du coup, on observe. Picture, ils sont là, ils ont l'air de sortir. On va réécouter parce que peut-être qu'ils partent à l'assaut. Hein, faire un escalier, c'est cool. Ouf, puis pas, ouais, sinon je pouvais pas remonter. Ok, donc l'accès. Alors là, j'ai l'impression que l'accès à la salle des coffres commence à se. Bah ouais, à se. Péter. À devenir intéressant. Comment on sort d'ici? Ah, ils vont sortir, ouais. ils vont assaut. Merde. 19 minutes. Bon, c'est où chez Fugiel, c'est où chez les autres, je sais plus. Voilà, ils vont y aller. Nous, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite pour un prochain, donc dans 2 jours. Bonne fête encore, hein. Je pense que ces épisodes commencent à sortir vers la fin du mois de décembre. Donc normalement, c'est les fêtes de Noël et tout. Des bisous à vous, votre famille et tout. Et on se retrouve très vite. Ciao, bye bye.